Siniša Mali, gradonačelnik grada Beograda. Molim prisutne da pristupe potpisivanju memoranduma. Déclaration d'intention entre la République de Serbie, la mairie de Grade et la République française relative au projet de métro de Grade. Signataire pour la France, M. Manuel Valls, Premier ministre. Signataire pour la Serbie, M. Aleksandar Vučić, Premier ministre. M. Siniša Mali, maire de Belgrade. Vlade Republike Francuske o socijalnoj sigurnosti. Potpisat će gospodin Aleksandar Vulin, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Vlade Republike Srbije i gospođa Christine Moreau, ambasador Republike Francuske u Srbiji. Molim vas da pristupite potpisivanju sporazuma. Accord portant sur la sécurité sociale entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Serbie, signataire pour la France, madame Christine Moreau, ambassadeur de France. Signataire pour la Serbie, M. Aleksandar Vulin, ministre du Travail, de l'Emploi, des Affaires sociales et des Anciens combattants. Thank you.
Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije i Ministarstva za ekologiju, održivi razvoj i energetiku Republike Francuske u oblasti saobraćaja i infrastrukture potpisuju gospođa Zorana Mihajlović, potpredsednik i ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Vlade Republike Srbije i gospođa Christine Moreau, ambasador Republike Francuske u Srbiji. Molim vas da pristupite potpisivanju sporazuma. Arrangement administratif portant sur les transports et les infrastructures entre la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie de la République française et la vice-première ministre, ministre du génie civil, des transports et des infrastructures de la République de Serbie. Signataire pour la France, Mme Christine Moreau, ambassadeur de France. Signataire pour la Serbie, Mme Zorana Mihajlović, vice-première ministre, ministre du génie civil, des transports et des infrastructures. U oblasti javno-privatnog partnerstva potpisuju gospodin Željko Sertić, ministar privrede Vlade Republike Srbije i gospođa Agnès Arcier, generalni direktor Agencije za tehničku podršku Francuske, ADTF. Molim vas da pristupite potpisivanju sporazuma. Accord de coopération sur la coopération technique dans le domaine du partenariat public-privé, signataire pour la France, Madame Agnès Arcier, présidente directrice générale de l'ADTF, signataire pour la Serbie, M. Željko Sertić, ministre de l'économie. Memorandum o razumevanju između Vlade Republike Srbije, aerodroma Nikola Tesla i kompanije Vansi Aeroport o razvoju međunarodnih aerodroma u Republici Srbiji potpisuju gospođa Zorana Mihajlović, potpredsednik i ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Vlade Republike Srbije, gospodin Nikola Notver, predsednik kompanije Vansi Aeroport i gospodin Saša Vlajsavljević, generalni direktor aerodroma Nikola Tesla. Molim vas da pristupite potpisivanju memoranduma. Mémorandum portant sur l'aéroport de Belgrade, signataire pour la France, M. Nicolas Notebaer, président de Vinci Aéroport. Signataire pour la Serbie, Mme Zorana Mihajlović, vice-première ministre, ministre du génie civil, des transports et des infrastructures. Et M. Saša Vlajsavljević, directeur général de l'aéroport de Belgrade. Javnog preduzeća elektroprivrede Srbije i javnog preduzeća Schneider Electric potpisuju gospodin Miloš Stojanović, direktor Direkcije za strategiju investicije i gospodin Dragoljub Damjanović, direktor kompanije Schneider Electric Srbija. Molim vas da pristupite potpisivanju pisma o namerama. Lettre d'intention portant sur un contrat entre Schneider et la compagnie d'électricité de Serbie EPS. Signataire pour la France, M. Dragoljub Damjanović, directeur général de Schneider Electric Serbia. Signataire pour la Serbie, M. Miloš Stojanović, directeur de la stratégie et des investissements à la compagnie d'électricité de Serbie.
Hvala. Nakon potpisivanja sporazuma obratit će vam se predsjednik Vlade Republike Srbije gospodin Aleksandar Vučić i predsjednik Vlade Republike Francuske gospodin Manuel Valls. Nakon obraćanja imamo